Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la fameuse petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble de ces commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 14 mars 2022, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix Sagaro, première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, l'aptitude à la piste en sable fibré sera déterminante ici. Sur le parcours de longue haleine des 2700 mètres du sable cantilien, il faudra faire confiance aux spécialistes. Notre handicap est très ouvert avant coup, ils sont très nombreux à pouvoir espérer décrocher le chèque de 25 000 euros promis aux lauréats. Une fois encore, il faudra faire preuve de beaucoup d'inspiration pour espérer toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Saint-Nicolas. Très plaisant finisseur lors de sa dernière tentative à ce niveau du côté de Cannes-sur-Mer, il retrouve aujourd'hui Christophe Soumillon à ses commandes et peut profiter de son numéro 2 pour mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 2, Checkpoint Charlie, ne sera pas à négliger tant sa victoire à Cannes-sur-Mer a été autoritaire. Pénalisé de 3 kilos, il va tenter de confirmer en allant plus vite que le handicapeur. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Yoker. Pia Brandt le présente pour la première fois au niveau handicap et malgré sa valeur 39 et ses 60 kilos à portée, nous comptons sur le talent de Maxime Guyon pour le mener sur le podium. En quatrième position viendra le numéro 3, Jackson, qui se présentera avec des œillères pleines, l'aide d'Anthony Crastus et un numéro 10 dans les stalles de départ pouvant lui permettre d'adopter la tactique de son choix sur ce parcours de longue distance. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Piet. La dernière fois, il a été à monter à l'envers en allant de l'avant. Supplémenté pour la circonstance et associé cette fois-ci à Tony Picon, s'il est planqué, il peut terminer vite. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Zillionson. L'autre jour, elle a été très chanceuse lauréate lors d'une course où le premier a voulu dérober sur sa droite, emmenant le deuxième dans sa perte. Si Théo Bachelot lui donne le bon parcours, elle peut toutefois espérer terminer dans les 5. En avant-dernier choix, le numéro 6, Honor and Pleasure. Piloté pour la circonstance par Stéphane Pasquier, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur et doit faire ses preuves au niveau Quintet Plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Master Power. En haut de la deuxième épreuve, il aurait été un véritable chocolat. Ici, avec ses œillères pleines, il peut prétendre à une place dans les 5. En cas de non partant, le numéro 11, Temps Fantastique, piloté par un certain Michael Barzalona, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé quartet Quintet Plus dans le désordre, le plus difficile à déchiffrer, affichant tout de même un rapport de 144 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière évidemment privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP turf-fr.com.